Oui, ça. Ouais. Check un coup de signe aussi, mon nom. T'es dans mon colline, bon. Ouais, ça. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. عليكم. Tout louange, tout grandir, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La paix et bénédiction pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, premièrement, je me présente, je m'excuse pour ça tirer là. Normalement, moi, je finis là à lire, mais nous avons un petit problème technique. Alors, tout de suite, nous allons commencer avec nos leçons pour aujourd'hui. Alors, mon frère et ma soeur, hier, nous t'y apprendre concernant, nous fin apprendre hier règlement non sakin et tanwin. Nous fin apprendre hier règlement concernant non sakin et tanwin. Moi, fin explique hier, qui veut dire un let qui sakin et qui veut dire tanwin. Alors, moi, je dis nous pour nous bien finir retenir sa définition là parce qu'il nous pour servir tout au long de nos bonnes sessions qui nous pour ena. Alors nous hier nous cause concernant quatre règlements qui concernent non sakin et tanwin. Nous donne en bref ça quatre règlements là. Après ça nous commence le premier là-dedans, nous commence expliquer et détailler. Alors, nous disons autres qui quatre règlements qui concernent non sakin et tanwin. C'est premier al-idhar, comme on le trouve au tableau. Deuxième al-idram. Troisième al-ikhfa. Et quatrième al-iqlab. Alors, tout ça là, quand nous faisons cause concernant al-idhar, c'est idhar non sakin et tanwin. Quand nous faisons cause concernant idram, c'est idram non sakin et tanwin. Ikhfa, non sakin et tanwin. Alors, tout ça là, lui concerne seulement sa règlement qui nous peut faire, c'est-à-dire règlement non sakin et tanwin. Hier, nous finissons à apprendre concernant idhar. Inch'Allah, chaque session qui pourrait être, nous pouvons essayer de connecter lui avec nos sessions avant. Ça veut dire nous faire une petite révision de ce qui nous finissons à apprendre dans nos sessions précédentes. Ensuite, nous vous commençons nos leçons, nouveaux leçons pour aujourd'hui. Alors, il y a une petite cause concernant l'idhar. Idhar, non sakin et tanwin. Quelque chose d'important à retenir. Alors, nous disons idhar dans la langue arabe veut dire faire apparaître. Faire apparaître une petite chose, c'est l'idhar. Dans le traduit, quand nous cause concernant idhar, quand nous cause concernant idhar dans le traduit, qui veut dire c'est nous lire ou bien nous prononcer une lettre correctement sans qu'il nous fasse, sans qu'il nous fasse runna. Après ça, nous apprenons qui va une lettre maintenant qui concerne idhar, parce qu'il nous est bien capable d'identifier ça va une lettre qui vient après nous là. Si nous trouvons il y a une lettre de idhar, alors nous appliquons le règlement de idhar. Nous apprenons qu'il nous y a 6 lettres de idhar. Nous apprenons 6 lettres de idhar. Nous apprenons qu'il y a Hamza, il y a Ha, il y a Ain, il y a Wain, il y a Ha, il y a Kha. Ça va une lettre là, c'est une lettre de idhar. Maintenant, quand après nous, sakin, nous trouve un parmi ça va une lettre là qui vient, ou bien tanwin, après lui, nous trouve un parmi ça va une lettre là qui vient, nous bizarre applique règlement de idhar. C'est-à-dire, nous pouvons lire nous là correctement sans qu'il nous fasse runna. Dès l'exemple, nous t'y mentionné hier. Premier, c'est l'exemple qui lui contenait nous sakin. Nous t'y dire le mot an'amta. Le mot an'amta. Le nous n'est pas soukoun. Il n'y a aucun voyelle. Après lui, nous gagne aïn. Après lui, nous gagne Aïn. Aïn, il trouve un parmi les 6 lettres de Idhar.
Alors nous bisa prononce nun sakin correctement sans qu'il nous fasse runa. Comment nous l'yali nous dire an'amta, an'amta. Alors nous pas tini le nun là, nous pas dire an'amta li pas bon. Nous pas tini le nun. L'autre exemple que nous t'y mentionné, c'est un exemple qui contenait tanwin. Après lui, il y a un parmi les six lettres de idhar et il y a des mots différents. Ça veut dire qu'il n'est pas ensemble dans un seul mot. L'exemple, c'était alimun khabir. Verset inna allaha alimun khabir. Alors, il y a alimun, le mim, il y a tanwin. Après lui, il y a kha. Kha, c'est un parmi les six lettres de idhar. Alors, quand nous l'yali, nous prenons tanwin là correctement sans qu'il nous fasse runna, nous dire Inna Allaha alimun khabir, alimun khabir. Et nous pas tini le tanwin là, nous pas dire alimun khabir. Ça là, li pas bon, c'est un erreur. Alors, ça c'est le règlement de idhar. Maintenant, après ce qui nous finit apprendre hier, m'espérer que après sa session qu'ils ont fini gagner hier là, ils ont fait un petit homework, ça veut dire qu'ils ont travaillé un petit peu la case, ils ont ouvert le Coran, ils ont fini essayer roder côté là ça va le règlement là, ils ont fini essayer mettre en pratique. Alors ça les ils ont et plus ils ont lire, plus ils ont appliqué, plus ils ont redonné l'exemple, alors plus ils ont la langue pour développer plus vite pour qu'ils aient lire Saban lettre là ou bien ils appliquent Saban règlement là correctement. Maintenant pour aujourd'hui, bon frère et bonne sœur, ce qui nous est là avec nous pour aujourd'hui. Alors ce qui nous est là avec nous pour aujourd'hui, je peux trouver là, nous écrire deuxième numéro 2, c'est Al-Idram, c'est deuxième règlement qui concerne nous, qui est avec nous aujourd'hui. Al-Idram, je peux trouver le nekrali là, et mon nekrali en translittération, Idram. Et quand nous faisons cause concernant Idram, toujours ici, c'est Idram, Nun, Sakin et Tanwin. C'est Idram, Nun, Sakin et Tanwin. Alors, premièrement, nous vous définir Idram, pareil comme on le fait hier. Nous vous définir Ali dans la langue arabe, nous vous définir Ali dans Tajwid. Deuxièmement, nous pour apprendre une lettre qui concerne règlement de idrom. Troisièmement, nous pour apprendre combien type de idrom il y a. Et quatrièmement, là nous pour apprendre l'exemple, nous pour appliquer devant l'exemple pour tout bon type qui nous pour apprendre qui concerne idrom. Alors premier, qui veut dire idrom dans la langue arabe? Idram dans la langue arabe veut dire me prend une petite chose, me met-li dans un lot. Me prend une petite chose, me met-li dans un lot. Par exemple, moi là ça marque là avec moi là ici c'est ce pot. Me prend marque là, me met-li dans ce pot. Là dans la langue arabe dire me fin faire idram. Dans la langue arabe me fin faire idram. Me prend une petite chose. Mon mettli dans une autre petite chose appelée idrom. Ou bien, mon mélange une petite chose avec une autre petite chose, ça aussi nous appelle idrom dans la langue arabe. Maintenant, nous venons avec définition de idrom dans tajwid. Nous venons avec définition de idrom dans tajwid. Alors, il y a une définition qui est un petit peu longue. Pas trop longue, un petit peu longue, mais seulement les diviser en bonnes parties. Les diviser en bonnes parties et je vais suivre attentivement pour qu'ils réussissent à comprendre la définition de idrom au complet. Alors, imagine bien. Idrom dans ta juif veut dire un lettre qui s'arquine, l'ipé, joigne ou bien après lit, un lettre qui est la voyelle, l'ivini. Avant ça, moi vous servi un terme. Moi vous servi un terme de sa définition. Là, moi fini de zotli, moi fini explique zotli. Après ça, comment nous définir les, je vous comprends. Nous dire un lettre li mutaharrik. Un lettre nous dire li mutaharrik.
Un lit, nous dit Ali Moutaharrik. Qui veut dire un lit qui Moutaharrik? Nous t'apprenons un lit qui sakin, et n'a soukoun l'oli, li n'a pas contenir, ça veut dire li pas contenir aucun voyelle, nous appelons ça lit là, li sakin. Ce lit contraire, nous dit Moutaharrik. Qui veut dire Moutaharrik alors? Moutaharrik veut dire un lit qui y a soit fatha, soit kasra, soit d'homme. Ça même tout. Un autre, ça, trois, là, l'INA, nous appelons un lettre qui moutaharrik. Comprends ça bien. Un lettre qui moutaharrik, c'est un lettre qui contenait un de ces trois voyelles-là. Ce les contraire, c'est sakin. Quand nous disons un lettre qui sakin, il n'a pas contenu aucune voyelle. Quand nous disons un lettre qui moutaharrik, il contenait un de ces trois voyelles qui nous finit par là. M'as-tu bien? Parce que la prochaine fois, mon papa mon reste mon service à moi même. Ça veut dire moi pour Jésus, ça l'est là, il est capable de contenir fatha, kasra ou bien d'ouamma. Mon bonnet servi le mot moutaharrik, vous êtes bien fini, comprenez. Alors, basant le ça, l'explication qui nous fait donner là. Quand nous disons un lettre ni moutaharrik, c'est un lettre qui contient un ansa, trois voyelles, fatha, kasra et d'ouamma. Maintenant, mon frère, nous retournons, et ma soeur, nous retournons avec définition de idgham de tajwid. Écoutez bien. Idgham de tajwid, c'est, nous avons un lit qui sakin, un lit qui sakin. Après ça, nous avons un lit qui moutaharrik livini. Après ça, lit sakin là, nous avons un lit qui moutaharrik qui livini. Après ça, nous mélangeons ces deux lettres-là ensemble. Ça veut dire que ça sakin-là et ça moutaharrik-là, nous mélangeons les deux ensemble et nous servons Shadda pour qu'il représente ça mélange qui nous fait faire là. Nous aurions déjà dit, quand nous causons concernant Idram dans Tajwid, qui veut dire? C'est-à-dire, nous avons un lettre qui lit sakin. Après lui, nous gagnons un lettre qui est moutaharrik. Nous pouvons lire, nous mélangeons ces deux lettres-là. Nous pouvons faire tous les deux vignes comme si un seul lettre. Nous pouvons faire tous les deux vignes comme si un seul lettre. Après ça, nous servis Shadda. Nous servis symbole Shadda. Ça même qui, c'est un petit W qu'ils ont pu trouver. C'est un petit W qu'ils ont pu trouver l'oban lettre. Un petit W. Alors, nous servis à Shaddala pour représenter ou bien pour indiquer concernant sa mélange qui fait une fée là. Ça, c'est la définition de Idrom dans Tadjoui. Alors, vous pensez que définition là, il est assez clair. Et il pouvait être plus clair encore quand nous commençons. Explique-lui et nous vous servir par l'exemple. Comment nous vous servir par l'exemple? Là, si, comme on dit, c'était un petit peu de difficulté, je ne vais pas comprendre, pas faire rien, pas être à cas. Comment nous mangeons par l'exemple? Je vous trouvais qu'une définition là, il faut bien claire. Maintenant, nous venons avec les harf qui concernent Idrom. Combien harf, combien lettres qui concernent Idrom, datajuit, Idrom, nun, sakin, et tanwin? Nous avons 6 lettres de Idrom, Nun Sakin et Tanwin. Nous avons 6 lettres de Idrom, Nun Sakin et Tanwin. Qui a 6 lettres là, ça? Suivez le tableau. Alors, nous avons 6 lettres qui concernent mi nun sakin et tanwin, c'est-à-dire qui est sous règlement de Idrom. Nous avons ya, premièrement. Premièrement, nous avons ya. Deuxième, nous avons ra. Troisième, nous avons mim. Quatrième, nous avons lam. Cinquième, nous avons waou. Et sixième, nous avons nun. Bon savant de traduire fin facilite nous pour qu'ils nous apprennent ces 6 lettres-là. Zed fin facilite nous pour qu'ils nous apprennent ces 6 lettres-là. Zed fin compose un mot
avec ces six lettres-là. Pareil comme on a dit dans ben, les autres sujets, on appelle ça ben, acronyme, si moi je fais rire. Alors, pour ça, vous êtes pour finir, connaître, ça veut dire que vous êtes fait un mot avec ça, vous composez un mot, quand nous pouvons facilement mémoriser ces six lettres-là. Qui c'est un mot-là, ça, ben frère et ben soeur, c'est le mot Yarmaloun. Yarmaloun. Le mot Yarmaloun. Alors, ça, c'est les six lettres qui nous aident dans l'hydrome qui trouvent dans ce mot-là. Alors, je vous désigne un livre, on va faire ça pour nous faire un bon exemple. Je vous désigne un mot-là. Après un mot-là, vous avez fini de mémoriser six lettres de l'hydrome. Maintenant, ce qui vient avec nous, c'est combien de types de hydrome nous avons. Combien de types de hydrome nous avons. Nous avons deux types de hydrome. Nous avons deux types de hydrome. Numéro 1, nous appelons hydrome avec rune. Numéro 2, nous appelons hydrome sans rune. Numéro 1, hydrome avec rune. Numéro 2, hydrome sans rune. Alors, nous avons un hydrome avec rune, nous avons un hydrome sans rune. Maintenant, nous prenons un point. Alors. Nous prenons premier hydrome avec rune. Hydrome avec rune, qui veut dire, bonne frère et bonne soeur, c'est qui? C'est qui quand nous pour mélange ça deux lettres là, quand nous pour mélange ça deux lettres là, nous vous trouvez qui, comment dire, nous peut faire runa avec lui, son là final dans nous néné. Comment dire nous là avec sa lettre qui vient après lui là, son là final final dans nous néné, ça appelle ça hydrome avec runa. Ça appelle ça hydrome avec runa. Qui va une lettre qui concerne hydrome avec runa? Qui va une lettre qui concerne hydrome avec runa? Nous avons quatre lettres. Quatre lettres qui concernent hydrome avec runa. Nous avons quatre lettres qui concernent hydrome avec runa. C'est ya, nun, mim, waou. Ya, nun, mim, waou. Là aussi, il y a un mot qui va nous avantager de mettre nous capables composer pour que nous facilite la mémorisation de cette lettre-là. Alors, nous avons le mot yanmou. Le mot yanmou. Je peux trouver. Oui, nous avons le mot yan, yanmou. Le mot yanmou est facile pour qu'il nous mémorise sa carte. Yanmou, mim, wow. Maintenant, ce qui est très important, c'est l'exemple. Ce qui est très important, hydrome avec runa, c'est l'exemple. Alors, nous te disons, nous avons quatre lettres qui concernent hydrome, non sarkin et tanuin. Nous avons quatre lettres. Hydrome avec runa, nous avons ya, nun, mim, waou. Ça veut dire, bon frère et bonne soeur, quand nous trouvons après non sarkin et tanuin, nous gagnons un parmi ces quatre lettres qui nous finissent à prendre là. Là, nous connaissons règlement de hydrome avec runa, les rentrer, les appliquer dans sa place-là. Alors, comment est-ce qu'il nous faut appliquer les, nous prenons premier exemple.
Premier exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nous avons « man » après « ya'mal ». Alors, qui nous a fait? Après, nous trouvons un nom sakin. Première petite chose, nous trouvons un nom sakin. Comment nous trouvons un nom sakin? Nous connaissons qui règlement de nom sakin est un nom avec nous. Maintenant, comment nous connaissons dans qui était dans sa carte qui est là? Nous avons sa lettre qui vient après nom sakin. Après nom sakin, il y a lettre ya. Ya, il trouve dans sa quatre lettres qui nous fait apprendre qui vient d'Idrom avec Ouna. Alors, comment nous pouvons lire maintenant? Mais une définition qui nous fait donner. Nous disons, Idrom d'Atadjoui veut dire. Une lettre qui sakin, nous avons une lettre qui sakin. Après, il y a une lettre qui est mutaharrik. Nous lions ça des lettres là, nous mélangeons les comme si devine une seule lettre. Après ça, nous servis Shadda pour représenter ça mélange qui nous vient faire là. Par exemple, ici, quand nous pouvons lire Man Yamal, comment dire, nous peut enlever nous là. Comme si nous peut enlever nous là, mime là, puis le mélange dans Yala. Là, nous pouvons dire Mais y'a amal. Mais c'est moi, je vous remarque que nous sommes là, il y a dans le même ronde. Ça même qui nous dit, nous l'y allons dans nos ronde. Nous ne pouvons pas enlever nous complètement. Comme si nous finissons enlever nous là, mime là, pour le mélange dans Yala. Ça s'appelle Idrom, pour mélanger. Alors, nous dire Mais y'a amal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa man ya'mal mithqala dharratin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa man ya'mal. Alors, ça, c'est un idrom qui nous fait faire avec Ghunna. Dans le Coran, que je peux ouvrir, dans le Mushaf, que je peux ouvrir, je peux trouver dans un mushaf que je peux ouvrir, dans la place côté là, idrom là, je peux trouver un shadda là. Je peux trouver un petit shadda là. Alors, ce qui fait de mettre ça, ce shadda là dans le Coran, c'est juste pour faciliter nous. Pour montrer nous qu'ici, bien mélange ça, ça délite là. Mais seulement, nous, quand nous pouvons apprendre tajwid, nous pas apprendre tajwid par couleur, nous pas apprendre tajwid par un symbole qui est là, qui peut faciliter nous pour lire. Non. Nous apprendre tajwid avec ce règlement, comment les fins viennent vers nous. Nous apprendre ni comme ça. Qui fait? Parce que n'importe quand elle est là, nous capables d'un Coran, un mushaf, qui peut dans sa chadda là, qui nous fait dans sa lire. Nous pas pour connaître si nous habitons avec couleur ou bien nous habitons avec chadda. Non. Nous apprenons le règlement là, comment il était, nous apprenons ce bon lettre, comment bizarre cette définition, et nous appliquons dans tout ce bon exemple qui est là. Alors, même Penachad Dala, nous, du moment que nous apprenons, qui veut dire Idrom? Du moment que nous apprenons, bon lettre de Idrom, c'est quoi? Alors, ici, automatiquement, comment nous trouvons ça l'exemple là, nous pouvons appliquer nos règlements de Idrom. Alors, ça, c'est un exemple, côté là, nous, Sakin, ena non sakin après li ena ya. Nous prenons l'autre exemple côté na tanwin maintenant. Nous prenons l'exemple côté ena tanwin. Alors, nous avons barokun, après nous avons yaja'aloun, la surah Baqara. Barokun, après nous avons yaja'aloun.
L'Oqaf Ena Tanwin. L'Oqaf Ena Tanwin. Après Tanwin, nous gagnons Ya. Ya les trouve un parmi les quatre lettres de Idram avec Runna, comme on le fait apprendre là-haut. Da Quran, Ena Shadda, ici, quand vous pouvez Quran, vous trouvez Ena Shadda, ici, là. Nous ne pouvons pas servir Shadda, nous ne pouvons pas prendre ni sans Shadda, nous pouvons prendre règlement. Alors, nous visons mélange ça lettre ici, là, avant l'Ida, ça veut dire ça t'annouille, là. Da, avec ça y a là. C'est un idrome avec run. C'est un idrome avec run. Nous pouvons dire baroqun yaj'aluna. Baroqun yaj'aluna. Et moi, mon conseil, en tant qu'un professeur tajwid, quand je paie apprendre ban règlement, je peux appliquer d'abord l'exemple. Par exemple, des autres, fait comme on dit un mad, nous supposons risser le samad là, si par 4 harakat, disons. Ou bien vous avez fait un runna, vous êtes supposé tini le nun là, ou bien mim là, des secondes, ou bien des harakat, comment allez-vous venir avec nous après. Mais moi, au commencement, même au fini conseil, les autres, moi, des autres, augmente-li. Pas tini des secondes ou bien 4 secondes, le madla ou bien le runnala, fais-le vin plus qui ça encore. Fais-le vin plus qui ça encore. Qui faire? Juste pour qu'ils développent ça, l'habitude. Pour qu'ils maîtrisent ça, règlement-là bien. Un seul coup, pour finir, venir, vous trouver. Alors, tiens, augmente-le. Il n'y a pas une erreur, il n'y a pas une faute, non, il y a ça. Augmente cette quantité qu'ils ont rissé, augmente cette runna, ou bien, qu'est-ce qu'on a ici même là? Un dimon, si l'idia, l'idia, si l'itinésis des secondes, l'on sa idrom là, l'idia, baroqouïa ja'alouna, l'i correct, ce lecture bon, même les pantinili beaucoup de temps. Mais c'est moi, mon conseil, je tinili, plus beaucoup qui sont encore, juste pour qu'ils aient trouvé d'un petit guide de temps, pour finir même maîtrise, règlement là. Alors, quand je dis, baroqouïa ja'alouna. Alors, tini plus qui s'en pose, vous trouvez, qui est un petit moment, un petit temps même, vous êtes pour finir maîtrise règlement. Alors, ça, c'est un exemple. Quand tu as tanwin, après ça, ena ya qui vini, c'est un exemple de idrom avec runna. Alors, dès l'exemple, nous venons mentionner pour idrom avec runna, nous pouvons terminer avec idrom avec runna. Et après ça, là, nous pouvons prendre idrom sans runna. Mais si je peux trouver mon papi assez d'un exemple, je trouve mon papi assez mentionne dans l'exemple pour qui habitez eux plus avec règlement là, je fais moi connaître. Là, je peux essayer d'augmenter dans l'exemple. Mais guide là, je prends un exemple non sakin, je prends un exemple tanwin. Et comment je trouve dans un de ces 6 lettres là, les après, ça 4 lettres là, surtout ici, idrom avec runna. Je trouve les après, je connais ces idrom avec runna. Alors là, nous terminons avec idrom, avec runna. Ce qui vient avec nous maintenant, c'est idrom sans runna. Là, ce qui concerne nous, c'est idrom sans runna. Qui veut dire idrom sans runna? Idrom sans runna, c'est les contraires, tout à fait les contraires de ce qui nous fait dire idrom avec runna, c'est les contraires. Alors, tel nous faire runna, after, nous pouvons faire idrom, mais seulement nous n'avons pas pour faire runna. Nous pouvons faire idrom, mais nous n'avons pas pour faire runna. Ça veut dire son là. Il n'a pas gain droit à dans nos nénés, dans nos khaychoum. Ils sont là, pas gain droit à si un dimoun, idrom sans runna, ce sont père d'un néné, il y a des rires, il vous bise à corriger. Alors, ils sont là, ils pas gain droit à dans nos nénés. Alors, et là, il y a 10 délais, ce qui restait dans ça, 6 qui nous apprennent là, nous tient 4 idrom, qui avec runna,
Sadde qui restait là, c'est Idram Saouna. Qui Sadde l'être qui restait là? Nous t'y dis à Yarmaloun. Da Yarmaloun, nous t'y a Yanmou, restait l'être, c'est Ra et Lam. Ça, c'est Sadde l'être qui concerne Idram Saouna. Alors, nous avons Ra, Ra et Lam. Ra et la. Maintenant, on va directement dans l'exemple. Alors, comment je trouve après Nun Sakin et Tanouin, Ena, Ra ou bien Lam, je te connais, c'est Idram, sans, sans Runa. Alors, nous prenons premier l'exemple. Nous avons un premier exemple, ben frère et ben sœur, nous avons min, après nous avons la dunka. Nous avons min, après nous avons la dunka. Alors, min et la dunka. Après nous sakin, ena lam. Après nous sakin, ena. Et l'âme. Alors, qui veut dire ce qui lui concerne Idram sans Runa? Il concerne Idram sans Runa. Dans le Coran, je peux trouver là, quand je pouvais, le Coran, je peux ça, et la Shadda. Comme on disait tout à l'heure, là, nous ne pouvons pas parler avec symbole. Alors, après nous, Sakin et l'âme, nous disons comme si, papa dit nous, là, nous mélangeons ça de là ensemble, faire l'éminentiel. Comment nous pouvons dire mille dunka si un dimoun ce prononciation ici les pierres d'un néné tu parles peut dire mille dunka pas bon ça idrome là bande frère bande sœur il pas gain droit à dans nos néné pour en mime après l'âme nous prononce les dans un petit peu dans bout de la langue nous la langue il arrête dix quand nous les dans la haut était l'âme. Alors nous pouvons dire mille dunka ça c'est idrom sans runa. Nous prenons l'autre exemple kot ena ra. Alors, nous avons min, après nous avons Rabbihim. Nous avons min, après nous avons Rabbihim. Comment nous pouvons lire ça, bon frère et bonne sœur? Alors, nous pouvons mélanger mim da ra, comment dire nous là, l'y tomber. Nous pouvons dire mir Rabbihim. Je vous ai dit, ça son ra là, ça son ra, vous êtes en dit. Et ça rôle-là, il y a une fatha l'oli. Alors, nous la bouche, les bisènes la bouche qui rond, qui plaît, quand nous prononçons ro, ro, ro. Alors, nous pouvons mélanger, nous pouvons dire comme ça. Nous pouvons dire mi, mir, robim. Capable au commencement, je pourrais un petit peu difficulté pour prononcer. Ça ra là, mais seulement je disais continuer. Avec beaucoup de pratique, pour Pierre Michon Allah, je pourrais ici prononcer bien. Alors, on peut dire Mirrobihim, Milladunka. Alors, ça, c'est deux exemples qui nous font prendre qui concernent Idram sans Runa. Alors, ça, c'est nos sessions pour aujourd'hui. Alors, un petit résumé, qui nous apprend aujourd'hui, là, quand nous pouvons sortir dans sa classe-là, nous pouvons aller, c'est qui nous fait suivre, là, qui nous fait apprendre.
Alors, premier, nous finissons à prendre, qui, deuxième règlement, qui est attaché avec non sakin éternuit. Qui ça des règlements là? Qui ça des règlements qui nous finissons à prendre aujourd'hui là? Nous n'apprenons idrom avec runna, et idrom sans runna. Alors, nous finissons définir idrom, c'est une lettre qui sakin, après lui, nous gagnons mutaharrik. Nous bien mélanger ça dès là, l'yali, fallait une commandienne, celle lettre. Après ça, une achada qui nous servit comme symbole pour représenter ça, ça mélange qui nous finit faire là. Après ça, qui est une lettre qui est concernée là-dedans, c'est yarumaloun, yaramim, lam, waw, nun. Idrom avec runna, c'est yanmu, ya, nun, mim, waw. Idrom sans runna, c'est ra et lam. Quand après nun, ça, qui n'est pas nuit, nous trouvons un parmi ces lettres-là paraît, nous finissons connaître, c'est pour soi idrom avec runna ou bien idrom sans runna. Idrom avec runna, sont là les poils d'un néné. Mais, y'a'mal. Idrom sans runna sont là, pas gagné droit à d'un néné, nous pouvons dire, mirrobihim, miladunka. Alors, ça, c'est ben, l'exemple qui nous fait mettre devant eux. Aujourd'hui, avec ça, dans sa session aujourd'hui qui concerne Idrom, et toujours, Mazine, définition de Idrom, nous vous servons sa définition-là dans les autres chapitres qui vont venir en cours. Alors, toujours, il y a moitié des autres qui ont un chapitre qui s'appelle Makharij al-Huruf. Alors, je vous trouvez dans sa vidéo qui nous a fait hier là, dans la session hier là, et là, une photo qui m'a fait mettre dans le commentaire en bas. Guette sa photo là bien, je vous trouvez dans qui bonne place qui nous prononce, bonne lettre. Alors, là, après ça, une autre occasion, nous pouvons prendre photo là, nous pouvons expliquer un petit peu plus en détail, mais ce qui est plus important, c'est qu'ils ont connu la lettre là quand ils sont sortis et ils commencent à lire quand ils ont fait, mais c'est-à-dire qu'ils appliquent devant l'exemple ou bien quand ils ont fait lire le Coran. Alors, si jamais vous avez une question, pas hésiter, mettez-vous devant une question. Mettez-vous devant une question. Par exemple, un frère, dis-moi, Marcano, passez pas, évite de servir parce qu'il ne va pas trop bien. Alors, moi, si je me sens bien aujourd'hui, moi, je me servir un autre Marcano pour qu'il nous capable de faire une leçon. Alors, n'importe quelle question, je t'ai là, bonne frère et bonne soeur, je peux avoir des difficultés, et n'a qu'une chose, je pas me comprendre, ou n'a qu'une chose qui pas claire, je t'ai envie de me donner plus d'exemples. Alors, je t'ai avec Riali, là, moi, pour Riali, un petit peu avant, nous commençons la leçon, nous guetter comment nous capable de faire, moi, pour répondre aux bonnes questions. Ensuite, après ça, nous pouvons continuer avec, les autres chapitres qui viennent. Alors, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, pour permission Allah, prochain chapitre qui vient avec nous, prochain topic qui concerne règlement non sakin, c'est Al-Ikhfa. Alors, Inch'Allah, rendez-vous demain pour Al-Ikhfa. Nous pouvons parler ensemble, nous vous servir un exemple, nous pouvons appliquer, Inch'Allah, pour permission Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, nous faisons dua pour terminer, nous faisons dua avec Allah, qui Allah, subhanahu wa ta'ala, et continuer, augmente nos connaissances concernant comment nous pouvons lire sa livre qui appelle Al-Qur'an, qui Allah les facilite nous quand nous pouvons lire, qui Allah les aide nous pour qu'ils nous lisent le Coran correctement et qui Allah les récompense nous pour la lecture qu'ils nous font pour Al-Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.